Salut à tous, c'est Nemku et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Space Engineer. Vous m'avez laissé quelques commentaires pour des choses à améliorer, notamment que j'avais loupé. Ne m'en voulez pas à chaque fois si ça met un petit peu de temps pour que ce soit réglé. J'ai parfois un, deux, voire peut-être même trois épisodes d'avance. Alors, première chose, on m'a dit que c'était peut-être un peu normal si les vitres ne fonctionnaient pas. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement... Ah, c'est de quel côté? Si on met ça dans le bon sens, nous on verra clair dehors, ce qui est le cas. Alors, est-ce que ça projette bien la lumière? Oui. Et par contre, de dehors, on verra moins bien. Un peu plus chiant pour sortir maintenant. J'en ai bien quand même ce côté sortir tranquille. Ah voilà, c'est un peu plus compliqué de voir dehors et un peu mieux de voir dedans. Très bien. Est-ce que je vais m'embêter à faire de la couleur ici? Non. Alors, je me rappelle plus si ça avait été fait en vidéo, le double docking, pour avoir les deux qui soient posés en même temps. Par contre, je vois un truc qui est en fumée. Ok. J'ai eu un petit peu de dégâts, je sais pas trop quand. Ouh, j'ai eu plus qu'un petit peu de dégâts même. C'est compliqué, là. Toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Ah si, je crois que c'est quand je me suis renversé... par contre, j'ai l'impression qu'il manque des propulseurs, non? Ça, c'est bon. Là, j'ai plus les petits. Parce qu'il n'y en avait pas avant. C'est ça. Toi, t'es tout bon. Toi, tu fonctionnes. Là-bas, ça creuse. J'ai pu faire, comme j'avais dit, la structure, on va dire, plus ou moins de la base en hauteur. On va donc avoir une première moitié ici pour tout ce qui va être... comment ça s'appelle déjà? Raffinerie, tout ce qui va être assembleur qui va partir là-bas. Ça, on va le laisser en zone ouverte. Et je me demande si je peux pas peut-être creuser un petit peu pour faire ce que j'avais dit. La plateforme qui rentrerait et ressortirait quand on a besoin. Peut-être quand on se rapproche. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à voir. Ici, les batteries, on n'a toujours pas fini. J'ai pas envie de réutiliser le vaisseau pour l'instant pour fabriquer parce que c'est vrai que je maîtrise pas trop et j'ai l'impression qu'il est pas super optimal. Donc je vais le faire à la mano et je ferai des cuts plutôt, histoire que ça aille un peu plus vite pour vous. Après, comme je me fais pas attaquer, ça facilite les choses aussi. Ma foreuse, ouh, j'ai pas vu tout. Ma foreuse est arrivée au bout de son chemin. Donc là, je peux pas aller plus loin. Par contre, vous m'avez conseillé de modifier pour la méga foreuse. Donc je vais essayer de voir peut-être comment je peux... comment je peux modifier ça pour correspondre un peu plus à ce que vous m'avez dit. Par contre, il faudra que je rajoute encore des pistons. Comment ça me coûtait cher tout ça en pistons quand même. Et puff. Alors, de l'énergie, c'était où que je l'avais posé? Je l'ai pas posé le truc pour l'énergie. Ah, je l'ai pas... Ah si, si. Il est ici. Je suis en train de regarder en même temps des choses un peu fun qu'on pourrait faire. Il y a 2-3 choses qui me bottent à mort, c'est la gravité. Les générateurs de gravité, mais à mon avis, j'ai clairement pas ce qu'il faut pour. C'est que j'ai trouvé ça peut-être gyrophare. Oh, ça c'est rigolo, mais c'est que en DLC, bloc programmable. Ah, ça peut être sympa. Faudra que je me concentre dessus peut-être. Tout ce qui va être bloc programmable pour voir comment ça fonctionne. Un leurre, on n'en a pas besoin. Un générateur de gravité. Composant de générateur de gravité, très bien. Et qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ces composants-là? Il m'en faut 6. Dans un environnement sans gravité, donc il faut être dans l'espace. Ou alors il y a le générateur de gravité sphérique. Il coûte pas forcément plus cher, mais qui a l'air de fonctionner un petit peu partout. Oh, ça c'est bien. On doit la rechercher, donc je sais pas du tout comment... Si, peut-être comme ça. Moteur de saut. Permettre au vaisseau de se téléporter sur de grandes distances. Ça c'est vachement cool. Les masses artificielles ou les balles spatiales permettent aux grilles de réagir à la gravité artificielle. Donc pourquoi pas peut-être se retrouver à créer des choses grâce à ces générateurs de gravité. Je dis rien pour l'instant, ça je le kifferai. J'ai l'impression que c'est juste un bouton. Pour l'instant on n'a pas... Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors en tout cas, en première étape, on va s'occuper déjà d'agrandir un peu ce stockage. Parce que comme on a pu le voir, c'était pas trop ça pour l'instant.
Donc, je vais en mettre un deuxième. J'ai pour l'instant les assembleurs et les raffineries qu'il me faut pour. Mais c'est vrai que dès que je rapporte un petit peu des ressources ou que la foreuse fonctionne, ça devient vite chaud. Là, par exemple, bon, le premier il est vide et le deuxième il est quand même au tiers. Mais comme dit, si je me ramène avec la tout grosse foreuse que j'arrive à me téléporter ici, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Faudrait aussi que sur cet épisode on améliore le transporteur. Et par contre, je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une foreuse pour faire cette zone-là? Parce que là, je vais devoir tout creuser à la main. Est-ce que c'est peut-être pas mieux de se créer un petit véhicule de forage? De toute façon, j'ai pas besoin qu'il me récolte les ressources parce que de la pierre, je m'en fous un petit peu. Par contre, il faudra que je ferme un petit peu tout cet extérieur. Mes phares sont actifs. Est-ce qu'on a d'autres blocs de lumière? Lumière. J'ai ça. Phare, peut-être. Non. Eh bien. Lumière, j'ai vu les spots là. On va prendre ce spot. On va le poser. Hop. Histoire que ça éclaire un petit peu mieux. Ça éclaire comment comme ça? Oh, ça a l'air d'éclairer. Ça éclaire plutôt en face qu'au-dessus. Je vais en mettre un autre là. Ou je peux le coller comme ça peut-être? Parfait. En tout cas, je suis très fier de notre meurtrière. Enfin, quand je dis meurtrière, veuillez comprendre notre tourelle automatique. Parce que franchement, elle lui défonce bien la gueule, hein, à tous ceux qui osent venir. C'était où? C'était où? Des fois, je me perds un petit peu quand je me balade en 3D dedans. Donc, on a encore pas mal de soucis de lumière, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à gérer ça et avoir quelque chose qui est propre. Lumière, c'est toi et toi. Intensité, oui, c'est toi. Rayon, hop, je mets de la lumière partout. Je m'en fous que l'intensité elle soit au taquet. Hop, et rayon. Très bien. Ça éclaire beaucoup, purée, ça éclaire pas grand-chose. Hein. De loin ça va, mais de près c'est quand même chaud. Alors, on a dit, on va essayer de se fabriquer un petit vaisseau, ma foi, qui nous permettrait de creuser. Donc si on veut un truc qui nous permette de creuser, là ça va, on aura de la place. On va avoir besoin peut-être déjà d'une base. Petite base normale. On va avoir besoin d'un cockpit. Je crois que j'en ai un en touche 2, non? Touche 4. Plus de cockpit. On va remettre un cockpit. Cockpito. Ou est-ce que j'ai besoin vraiment d'un cockpit? Si, je peux pas faire plus petit qu'un cockpit. Contrôleur de tourelle personnalisée, c'est trop cool ça. Contrôle à distance, ça faudrait que j'essaye. Hop. Où je te mets? On va peut-être déjà creuser le tout. Sinon après je vais en chier. Alors, je crois aussi que j'ai un moyen de faire des blueprints. J'ai pas encore regardé. Peut-être en F11. Panneau de débogage. Non, F10. Ah voilà les plans. Il n'y a pas d'abonnement à un plan du workshop. Vous devez visiter le workshop et vous abonner à des plans. Très bien. Par contre, je dois pouvoir en créer moi-même. Ok, donc il y a un presse-papier. Ça doit se faire, j'imagine, en créatif. Et je crois que derrière, je peux aussi réussir à faire une sorte d'usine avec des projecteurs. Alors, projecteur, ça doit être ça. Projette les plans des vaisseaux afin de pouvoir les construire. Ok, une connexion à une grille à partir d'un projecteur pour pouvoir commencer la construction. Mais je suis persuadé que j'ai un moyen qui me permet vraiment en lui-même de le faire automatiquement. Donc, par exemple, si je veux automatiser une création, quoi que ce soit, je crois que ça se fait. Peut-être usine. Ah! Bloc de fusion, non, c'est pas ça. Donc, première étape, c'est bon. On pose notre cockpit. On va le mettre dans le sens là, hein, tant qu'à faire. On gagne déjà un petit peu de place sur le côté. Est-ce que je mets que deux foreuses ou j'en mets un peu plus? Là, je vais pas avoir besoin que ce soit rapide. Par contre, je vais avoir besoin que ça creuse bien et que ce soit malléable. Alors, au petit bloc, foreuse, 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 je te mets là.
Très bien. Comme dit, on s'en fout si c'est pas trop rapide. Vraiment là, la seule chose qui m'intéresse en fait, c'est pouvoir creuser quelque chose. Tranquillement. Impossible de le placer, il me faudrait peut-être un autre bloc. Il va me falloir plus de blocs, je pense. Ok. Quelque chose comme ça, peut-être. Je suis en train de me dire, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens, comme ça je peux le mettre peut-être un peu plus haut, parce que là je vais pas pouvoir non plus creuser au-dessus. Au-dessus de ma tête. On va voir. On va voir comment ça se goupille. Alors la foreuse, elle est où? Elle est en 5. Elle est en 5, je peux te placer. Je peux te placer si je te tourne. Ici et au-dessus. Au-dessus je pourrais pas. Donc là j'ai 2. Là très bien. Et là très bien aussi. Je pense que ça doit être suffisant. De toute façon j'ai pas besoin de les relier parce que je veux éventuellement que les ressources elles dégagent. Je veux pas stocker ça, ça va me faire prendre trop de poids. Plus d'énergie. Ensuite je vais devoir mettre des réacteurs un peu partout. Et surtout un petit peu de batterie. Je pense que 2 batteries ça va suffire. 2 batteries. Donc oui je vais te mettre comme ça. On va déjà construire ça, histoire de pas perdre cette partie-là. Alors, ça s'est posé, ça fonctionne. Par contre, je sais qu'il y a un moyen de pouvoir faire en sorte qu'en faisant clic droit, ça marche directement. Est-ce qu'il faut que je sois face à de la terre? Peut-être. On verra plus tard. Si à la rigueur, vous avez la réponse en commentaire et que je trouve pas, eh ben, je vous remercie de me la donner. On va poser 2 comme ça. 2 comme ça. 1 dans l'autre sens. J'ai pas besoin non plus qu'il soit... en arrière. Ok, je vais en mettre surtout 1, 2 et 1 dans l'autre sens pour pouvoir reculer quand même. Alors hop, 1, 2 et 1 dans l'autre sens. Très bien, normalement ça devrait être bon je pense. Alors les dernières minutes pour avoir les derniers moteurs normalement. Hop, il m'en manque 1 et c'est tout bon. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un petit test un peu plus loin. J'ai oublié certains réacteurs. Normalement, là, cette fois, c'est bon. On devrait pouvoir, si je réactive le tout... reste verrouillé. Pas G, pour l'instant. On prend tous les propulseurs atmosphériques. On met tous propres. Propix, comme ça je m'en rappelle. On les commute. Normalement, si je réactive... Comment ça a l'air d'avancer ? Tous ont l'air plus ou moins d'avancer, très bien. Ça a l'air de tourner. C'est dommage qu'on puisse pas avoir une caméra qui fonctionne un peu mieux dans l'autre sens. Enfin, je veux dire qu'il puisse se rapprocher. Vraiment, le frein, par contre, il n'y en a pas assez. Ça, c'est un souci. Au niveau de la foreuse, ça fonctionne. C'est pas très très rapide non plus. C'est pas horrible. C'est pas horrible, mais ça fait le taf. Peut-être pas aussi vite que je l'aurais voulu. Il faut que je trouve le moyen pour que ça fasse comme si c'était moi qui forais. Oula, 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 oula. Par contre, je suis lourd. Je suis vite lourd à cause de l'inventaire. Comment je peux faire en sorte de l'activer à la main? Hop. Voilà. On est posé. Les batteries, elles sont les batteries. Les deux batteries. Batterie, foreuse, mob. Merci, je vous mets en off. On va éviter de les perdre. Là j'imagine que c'est l'inventaire du vaisseau. Ouais bah oui, les foreuses elles ont pris un petit peu quand même. Donc un petit peu de poids. Comment je peux faire ça? Déjà faut que je rajoute des freins. Première chose, première difficulté, les freins. Il y en a pas assez. Je vais en mettre 2 ici. Comme ça, on a autant de freins que d'avancement.
Il les bute les loups, hein. Pas de pitié pour les loups ici, quoi. Ouh, plus assez de composants de construction. Bah, ce sera la première fois, ça. Depuis longtemps, en tout cas. Pas grave, production, le 13. Fais-moi en 400, mon gars. Et alors, c'est pas grave. En attendant, on va peut-être commencer à réfléchir. On a dit, plus ou moins, ici, on va faire l'entrée, la queue des raffineries. J'ai pas regardé les raffineries de niveau 2. Les vraies raffineries, en tout cas. La taille qu'elles prennent, c'est celle-ci. Elles prennent quand même un peu de place. Sachant qu'en plus, il y a les modules, qu'il doit y avoir les coffres pour rentrer. Ça fait quand même pas mal. Non, Siri, je ne suis pas en train de te parler. Ne t'excite pas sur ma montre. Non, Siri. Et toi. Pénible, Siri. Alors, soit je les mets vers le bas, soit je peux les mettre vers le haut, avec les entrées et les sorties. Je crois qu'il y a des sorties de toute façon un peu de chaque côté. Mais en plus, il y a les modules. Il faut que je pense aux modules. Donc, les modules, ça prend 1 de place, on va dire que ça nous prend 3 de place. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il vient de se passer quelque chose, je viens de mourir, je crois. Excusez-moi, monsieur, puis-je ramasser mon cadavre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, oui. Vous êtes fort aimable. Oui, je peux les mettre ici. Je peux les mettre ici, avec le module qui dépasse pile poil dans l'entrée. Pourquoi pas. Et les raffineries, les garder là, avec éventuellement le tuyau de stockage qui descend d'ici, ou qui se fasse en haut. Ah oui, je peux les faire rattraper en haut, quand même. Donc toi, désolé, tu dégages. Merci. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, elles font 4 de haut, non? 4 de haut. Ouh, c'est pile poil. C'est pile poil pour le faux plafond. Eh ben très bien. C'est comme ça qu'on va faire. Ça va être comme ça. Toi, c'est bon. Est-ce que ça finit de me faire mes matériaux de construction? Donc ça, c'est pour les raffineries. Maintenant, à voir les assembleurs. Les assembleurs, c'est pas forcément la même chose non plus. Oula, petit lag. Je sais pas ce qui s'est passé dans le jeu, mais il a lagué. Ok, très 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 bien. J'ai plus de lumière ici, merci. Est-ce que maintenant on peut réussir à batterie, commuter le bloc on off, commuter le bloc on off. Donc toi je te mets en F. Maintenant je vais prendre batterie, ça va être recharge, décharge. Ah. Ok. C'est pas. On désactive. Ouh, ça se lève plus. Ça se lève plus, c'est trop lourd. Sérieux? Ah ouais. Ouais, c'est trop lourd. Ok. Ok, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd avec le poids des batteries, avec le poids des machins. Il va falloir que je mette un autre réacteur. Donc toi, je peux peut-être pas te mettre ici. Je vais peut-être te mettre au-dessus plutôt. Alors, j'essaie de rééquilibrer cette merde et je reviens à vous tout de suite. Alors, c'est rééquilibré. Par contre, nous avons toujours ce même souci. Outil de bloc, ça doit être ça. Voilà. Voilà, c'était ça qui me manquait. C'est outil de bloc. Maintenant, si je me déplace... Je dois pouvoir dire moi-même. Oula, 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 oula. Il a encore du mal sur certaines choses à freiner dans un sens pour repartir dans l'autre. Ok. On va faire ça pour l'instant. On va creuser ici. J'aurais peut-être dû prendre la... Ah, c'est pas le bon outil pour faire ça. Tout à fait. On est d'accord, on est d'accord. Creusez les deux côtés, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'ils veulent plus, si. Ouais, en fait, je propulse pas assez dans toutes les directions. Pour monter, ça va. Pour descendre avec la gravité, ça va. Mais dans les autres directions, c'est un peu plus chaud. Allez mon grand.
Ok. T'enflamme pas trop non plus. Sois gentil. Ah, voilà. Là, on voit la rapidité de la machine. Par contre, je suis en train de me dire, j'ai peut-être pas de quoi faire un demi-tour ici. Ah oui, bon, c'est quand même pas mal. Si on a... Oh, si on a de quoi basculer. Ouais, on l'a détruit, ce truc-là. Donc ça va être bien pour pouvoir justement peut-être creuser en partie. Ok. Là, pareil, j'aimerais bien creuser un petit peu. Peut-être pas jusqu'au bout non plus. Mais pas loin. Ah bah c'est magnifique. Donc je vais m'occuper de creuser un petit peu en dessous. Je vais creuser peut-être l'équivalent de 3-4 étages, histoire qu'on ait assez de place pour nos blocs de stockage. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le trou était creusé. Alors j'ai pas creusé aussi profond que j'avais annoncé. Tout simplement parce que ça prenait un peu de temps. Et que ça coûtait cher au niveau de la batterie. Et que la batterie est pas encore assez résistante. Donc je me suis dit, pour l'instant, t'enflamme pas trop, il y aura toujours le temps de s'enflammer derrière. Seule chose que je suis en train de me dire, c'est que je vais peut-être quand même marquer où se trouve l'angle. Et normalement, c'est pas 0, c'est 1. Voilà. Très bien, très bien. Donc notre trou se trouve officiellement ici. Ok. L'autre angle se trouve ici normalement. À moins que... Si, il se trouve là. L'angle de la porte se trouve là. Donc, c'est ici que je peux poser. Juste un petit quadrillage, ça fait toujours du bien. Ça doit quand même faire 2 étages, j'imagine. Je vais pouvoir en poser 2 en hauteur. Ah, une petite partie a été loupée. On va le faire à la mano. On va pas aller rechercher le véhicule juste pour ça, ça serait dommage. Oh, il y a un loup. On te voit? On te voit, mon grand? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oula, 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 oula. Ah, je suis mort. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Eh ben, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave. Oula, 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 le loup. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, je te dis? Je te goume, mon pote. Je te goume. Très bien. Le loup est mort. Il nous a rapporté des cellules d'énergie. Par contre, on n'a plus de quoi monter. On va essayer de creuser peut-être un trou. Histoire de sortir. Parce que ça peut aussi arriver à un moment qu'on soit bloqué à nouveau. Donc une sortie extrême peut être sympa. Voilà. Hop, un petit saut ça suffit. Et j'ai plus le générateur de O2 par contre. Va falloir resécuriser tout ça, hein. Mais je crois pas que je puisse poser de la terre directement. Quel est ce bruit? T'as entendu le bruit toi aussi? Je t'ai vu tourner. Il y a un bruit là. On est d'accord? C'était quoi que t'as... Il a capté quelque chose. Ou c'est le bruit de la tourelle? Très étrange. Très étrange et je ne puis dire que je suis rassuré. Donc, on va ouvrir la porte, vite. On va refermer la porte, vite. Si ça va. J'ai quand même l'impression que vous voyez, il y a une sorte de jour qui se fait. Alors que là, la fenêtre est dans le bon sens. Bref. C'est un détail. Générateur. On va refaire vite notre générateur de O2. Et d'hydrogène, il est où? Et le générateur, moteur hydrogène. Oh, c'est bien, porte d'hangar hermétique. Ça, on s'en servira pas tout de suite. Conduit d'échelle, ça peut être rigolo. Petit réservoir d'hydrogène, générateur. Générateur, très bien. J'imagine que je dois pouvoir faire quelque chose avec le stockage directement. Les réservoirs. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre des endroits pour les réservoirs. Doit y avoir quelque chose à faire grâce à ça. De la glace, s'il vous plaît. Merci.
Toi, je te pose, c'est vrai que j'en ai toujours pas besoin. Je sais pas pourquoi je la garde sur moi, alors j'ai plus tellement la problématique. Hein? C'était une mort débile qu'elle allait avoir. Donc je disais, je n'ai plus tellement la problématique, c'est vrai. De comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Non. J'ai oublié. J'étais en train de dire quelque chose, j'ai oublié, c'est pas. C'est pas grave, on passe. Qu'est-ce qu'on peut mettre en hauteur ici? Je vais devoir déjà péter un peu tout ça. Donc on va faire très simple. L'autodestruction, ça fonctionne. Ça va pas concerner les réservoirs parce que eux, ils sont accrochés par en haut ou par le côté ou par l'autre. On va juste faire tomber cette plateforme. Et encore un, je dirais. Nickel. Donc jusque devant. Ah, ça tient. Bah oui, ça tient grâce à soi-même. Ça tient grâce au stockage qui tiennent grâce au stockage. Bon, c'est pas tombé, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, les stockages, où c'est que je les ai? Ça, c'est des stockages, c'est des stockages. Faut des plaques intérieures. Bonjour, un petit peu de plaques intérieures, s'il vous plaît. Vous en avez que 2000? Très bien, je prends. Ok, elle est bien positionnée. Elle aussi. Elle aussi. Toi aussi. Ouh! Et j'avais dit quoi? 2-3 étages de haut. Messieurs, dames, je vous présente. Pile au poil aux 3 étages. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez là, mais. Moi, je trouve qu'on s'est bien démerdé. Alors, toi, j'ai besoin. On va le faire peut-être de haut en bas aussi. Ça peut être une bonne idée. Je pose, je récupère. Donc là, on multiplie par 4 notre stockage total. Je vais pouvoir, à mon avis, creuser amplement. Deux, trois et quatre. J'ai besoin de plaques. Je t'ai rien demandé. Ok. Ok. Ah, je pense qu'il y a des ressources qui vont me manquer maintenant et c'est les moteurs. Des moteurs et des composants de construction. Eh ben écoutez, je finis cette zone de stockage et je vous retrouve tout de suite. Voilà, notre dôme complet est fait. Alors, attendez, je suis en pause. Alors, c'est réglé, je sais pas quand je me suis démerdé pour mettre le jeu en pause, mais maintenant, ça ne l'est plus. Alors, en tout cas, on a fini notre stockage. Maintenant, on a vraiment une plus grosse capacité, x4. Peut-être un voir pour un terminal qui me permettrait de savoir exactement combien j'ai de stockage. Me plairait beaucoup. Donc voir si je dois le scripter, s'il y a peut-être une façon un peu moins bourrine de le faire aussi. Mais en tout cas, ça pourrait me plaire. Deuxième chose à prévoir maintenant, hormis un connecteur peut-être pour toi, pour te mettre à recharger quelque part. Ouais quoi, plaque d'acier. Bonjour, vous avez des plaques d'acier s'il vous plaît. Je voudrais juste voir ce qui est chez moi, pas le reste. Plaque d'acier, plaque d'acier. Très bien. Ici c'est joli. Oh, puis j'ai tout ce qu'il me faut, donc ça c'est très bien. Et on va mettre un autre connecteur, peut-être. Bon, ici. Non, connecteur. C'est juste vraiment pour le charger, quoi. Pas du tout pour le poser quelque part, ça je m'en fous. Alors, hop. Alors, comment j'active ça? Voilà, j'ai retiré tous les trucs sur lesquels j'avais appuyé sans faire exprès. J'ai toujours l'air d'être un peu débile hein, quand je fais des choses sans faire exprès, mais maintenant ça va mieux. Alors, je veux tout retirer. Merci. Là, je veux juste récupérer des composants de construction. Est-ce qu'il y en a? Assembleur 13, t'es censé me construire des choses, là. Il veut pas. Bah non, il veut pas, assembleur 13. Nickel. Est-ce que j'ai du nickel? Est-ce que j'en ai encore beaucoup? J'en ai 7. Oui. Et du fer. Du fer, oui, ok. Donc tout va bien. Encore 4.
Voilà. Maintenant, je peux le brancher. Je monte à ton... Ouh. Il y a deux, trois choses qui ont pris cher quand même. Hein. Je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas comment, ni pourquoi. Elle, ça va. Toi, ça devrait être plus ou moins bon. Toi, c'est bon. Et toi, par contre, pourquoi t'as pris autant? J'arrive pas à voir les moteurs. Bon, bah si, j'arrive à voir tous les uns. Bon. Nickel. Donc, j'ai connecteur déverrouillé. Voilà. P. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Peut-être mettre les réacteurs, ça serait mieux. J'avais pas demandé la touche pour déverrouiller. C'est verrouillé, c'est pas verrouillé. Voilà, pré-verrouillage. C'est pas l'endroit le plus simple pour faire ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Les batteries, j'aimerais quand même un moyen de mettre mes batteries. Pourquoi j'ai autant de groupes? Groupe foreuse mobile. Recharge. Recharge ou auto, voilà. Je veux que vous soyez en recharge. Ça va mettre 3 jours? Sérieusement? Dis-moi qu'elles sont déjà rechargées. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Là, il y a des batteries encore, c'est bien. Donc, un petit écran pour me mettre le niveau de stockage, ça pourrait être sympa ici. Un autre petit écran à côté pour me mettre le niveau de batterie, ça pourrait être bien. Là, je vais pas avoir besoin. Si, peut-être avoir le nombre de lingots. Et ici, le nombre de matériaux totaux. Là, prochain épisode, on va s'occuper de relier les inventaires là, ici. De sorte à pouvoir mettre des assembleurs, ne serait-ce que temporairement, pour pouvoir les mettre en coopération, de sorte à ce qu'ils bossent tous ensemble sur le même objectif, préparer donc les ressources que je demande. Parce que là, je dois le faire inventaire par inventaire, du moins assembleur par assembleur. Normalement, je dois pouvoir tous les mettre ensemble pour que ça fonctionne. Ah, toi, j'avais pas vu aussi que t'avais besoin d'aide. Et ils ont tous morflé un petit peu, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Tous nos réacteurs sont plus ou moins en forme. Tout a l'air de fonctionner maintenant. C'est très bien. Je te mettrai plus tard. Ailleurs. Ici, c'est bon. Là, on a un peu de lumière, même si c'est dégueu. Mais ça fait un petit peu de lumière quand même. Si vous avez d'autres moyens peut-être d'éclairer ou des conseils sur l'éclairage d'une base, je suis preneur. Et ben on va s'occuper de ça. Donc, faire l'étage des toyaux. Et je me demande même si je vais pas tout simplement mettre des trucs de convoyeur. Alors, je peux mettre des petits tubes comme ça. Ça permet aussi de pouvoir poser des choses dessus. Mais juste mettre des jonctions. C'est lequel? Il est où? Lui? Jonction de convoyeur. Est-ce que ça coûte forcément plus cher que les tuyaux? Ah, franchement, pas de grand chose, hein. Pas de grand chose. Ça prend peut-être plus de temps à se construire. On va voir. On va voir. Je vais essayer de voir si je peux tous les remonter. Au moins, ça simplifie les raccords. Sauf ici, là, je peux mettre des tuyaux. C'est tout simple. Ah, si, je sais. Je sais ce qui est plus intéressant entre les deux. Et je sais pourquoi. Regardez. Non, les deux sont en 10 PCU. Ok. Je vais commencer à préparer ça. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, ciao, ciao tout le monde.